Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Company of Heroes 3. On est reparti en pleine mission, détruire les défenses ennemies, ça on commence à savoir faire. Donc on va s'en occuper. On a une section du génie là qui a la possibilité d'avoir un lance-flamme. Je pense qu'on va le prendre assez rapidement. On va peut-être pas tout de suite, mais on va pas trop traîner. On a l'escorte du capitaine aussi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut encore donner des barrages de batterie hors cadre. Hors carte, pardon, c'est pas mal ça. Et le Weasel, ça c'est très très bien. Qui arrive avec un canon anti-char, ça va nous être très très utile. Sans équipage, par contre, c'est le seul problème, ouais. Mais bon, on a l'unité de mortier, on a les fusillés. On est parti. On va commencer par aller prendre des territoires. Si on y arrive, en y allant tranquillement. Envoyer eux et eux, ainsi que l'escorte du capitaine, soutenu par les mortiers évidemment. Et je pense que ça va être pas mal. On va mettre les sapeurs dans un coin pour le moment. Si on peut refaire ça, on peut déployer les fusils mitrailleurs Browning. On va le faire. Men, let's take a detour and see if we can slow them down by capturing that village. Ah, on a autre chose à faire. Ok, il est où le village? 10 minutes! Ok. On va déjà aller faire ça. Ready for deployment, sir. Double time, soldiers. Pack those weapons. Orders coming in. We're up, boys. On your feet. Let's go. Let's advance. All right, let's move like we got a purpose. Okay. All right. Browning automatic rifles have arrived. Ouais, c'est vrai qu'il faut que ce soit un territoire. Make it happen, fellas. Focus on me. Say the word. Capture and secure. You men, get ready. Commencez à envoyer les autres ici pour prendre ça. On va prendre du Browning, c'est quand même plus efficace. C'est les sapeurs. On va faire un centre de support opérationnel. Putain, y a un sniper là? On plie. Ok. Eh ben, l'escorte du caporal, elle a pris cher. Hein. Ok les gars, on arrive, on va aller par là. Quant à la mitraillette, elle ira par ici. On va faire une unité de reconnaissance qui va rester dans le coin aussi pour le moment. Ah bah, ils reviennent. Non mais. Ça vous dit de rester du bon côté par contre du mur? Voilà. Et vous là? Non, je sais pas, c'est mieux non? Allez, un soutien. Voilà. Let's do this. Take the shot.
Ok, on a du bunker, on a un peu tout ce qu'il faut. Très bien. Je vais appeler le canon Tichard ici, comme ça on va l'avoir. Quant à vous. Pas let's go encore, non, on va attendre que les fusils arrivent quand même pour couvrir. C'est vraiment miné là? Ouais, s'ils ont un sniper, faut vraiment se mettre à l'abri et vite. Non, rentrez pas dedans. Bon, je me concentre là-dessus. Hein. Ok, toujours là. Descendez. Putain. Mais non, mais pas de ce côté. S'il est mort, c'est bon, ils l'ont eu. Il y a des mines, putain. Oh, il y a des mines. Oui, je suis d'accord, ok. Toi t'arrêtes de tirer. Ok, mais toi t'arrêtes, c'est bon. Ouais, je suis obligé de me replier là du coup. Construire un petit garage aussi. Ok, au niveau d'ici. Les envoie eux. Les flammes pour eux. Je croyais qu'il n'y avait pas d'équipage pour ça. Time to roll. We're up, boys. Come on. We ain't got all day. Engineers standing by. All right, all right. Come on. We got some pretty
Je vais voir si on peut allumer de là mon cœur ou c'est trop loin. On va arriver de plusieurs endroits là. Oh oui. Quelle limite de population atteinte? Pour moi, on a trop d'infanterie dans tous les sens. Vous allez venir là. Et c'est bon, on l'a détruit. Ok, donc vous reculez. Ok, on prend du mortier. Merde, voilà. Parfait. Ok, on fuit, on fuit. C'est bon. Là, on est bon. Venez prendre ça. Ils vont venir en soutien. Nickel là. Pardon, si des fois je parle pas, je suis un petit peu concentré. Ok, il se replie. On va aller prendre ça, ça, ça. Foncez là. Vous allez me mettre de la grenade sur ça. Les allumez tout de suite, vous. C'est urgent. Voilà.
Oh merde, qui c'est qui nous a mis une grenade ici? Ça doit être avant de crever là-bas. Ok, on va piquer le mortier. Alors, ça c'est bon. On va se mettre en pause. Où on est là? La mitraillette, elle vient là aussi. Eux, ils repartent, ok. Vous positionnez par là. La mitraillette, elle vient là. La troupe qui est ici, bah de toute façon, elle va venir prendre ça. Il me reste que le dépôt de char à faire. Mais bon, on gagne pas beaucoup en carburant. De récupérer lui pour balancer de la fusée éclairante surtout. Oh oui, bon, on va faire long feu. Ok. Il y a du monde par ici. Hein. De la sticky bombe, faut y aller hein. Ok, si on arrive à le tenir, il va faire le boulot lui. Bim, voilà, parfait ça. La troupe de reconnaissance, elle est où? Elle est là, tu viens ici. Ça va avancer un peu dans le champ, c'est parfait. Ce qu'il fallait faire. Lui ici et la mitraillette. Elle couvre tout ça. C'est parfait. Avec quand même les sapeurs par là. On sait jamais que ça arrive de ce côté. Oh non, c'est la fin de la map. C'est le bout de la carte. Ça n'arrivera pas de ce côté. Et on va attendre là très sagement que l'autre équipe arrive. Comme ça, on va pouvoir attaquer le Stormpanzer. Ok, ça me donnerait des bulldozers Sherman. Ok. C'est tout ce qu'on aurait pour le moment, de toute façon. Mais bon, de toute façon, j'ai pas vraiment besoin. La seule chose que je pourrais faire éventuellement, c'est un petit hôpital de campagne. Est-ce qu'on peut les faire plus loin, du coup? Non, je sais pas trop comment ça marche. La famille peut évacuer les blessés jusqu'au QG. D'accord, ok. Donc non, c'est pas un point de... C'est vraiment par rapport à la map tactique. Je pense qu'on peut sauvegarder un petit peu nos troupes. Qu'elles repartent moins blessées. Ok. Ça va pas m'utiliser, me servir tout de suite. Ok. Vous avez une portée comment, vous? Ouais, il va falloir y aller en mode un peu commando, par contre. Hein. On se casse. Premier tir totalement foiré. C'est mieux. Vous partez en assaut là-bas. Et ça bouge. Ok,
faire arroser-les et le sprint. Ok, le sprint c'est bien. Ok, on se barre. Ce con s'enfuit là-bas. Ok, les Allemands se replient. On va avancer lui. Et lui. Toi. Même là-bas en fait, directement. La mitraillette en soutien. Et eux aussi. Ok. On se casse. Changez de la tactique, vous. Ça y a un char qui se déplace. Ça. Parfait, ça. Pas l'air de viser les roues. J'avais vu ça quelque part. Faire ça sinon. L'équipage concentré sur l'avant et scruter la zone. Ok. On va débloquer des trucs hein. Parfait. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble-t-il. Ah oui, ça marche pas de débloquer ça en. Ok. Je vais pas dire de bêtises, mais pour moi, il y avait un anti-char ici. Exactement ça. Là, vous venez là, toi. Ok, il a été réparé. Ici. Toi, tu viens là. Et vous avancez là-bas avec eux. Ça arrive. Ça démarre. Casse-toi! Bon, tant pis. Ils tirent un peu en obusé ces trucs-là, ouais, effectivement. Tirez-moi ce dernier. Voilà! Ce dernier obus, il est parti. Ok. Venez nous tirer sur les fentes et trappes des véhicules. Ok, on va prendre ça aussi. Alors, est-ce qu'il y a du monde par là? Barrage de mortier hors carte, marquage de véhicule. Ah ok, cool ça. On va prendre ça. On va mettre les deux mortiers ici. On va avancer la mitraillette par là. Ça par ici. Ok.
Oh, ils avancent au véhicule et tout là. Ah, ce serait bien que je puisse faire un petit Sherman quand même, un truc quoi. Mais non, je peux rien faire. Hein. Limite de population atteinte. Ouais, ben ça, je crois pas qu'il y ait de solution d'augmenter la population. Hein. Ah ouais, par contre, je pouvais faire tout ça quoi. Ouais, non, je peux pas, même si je voudrais, je pourrais pas. Et les mortiers vont allumer, plutôt les troupes d'ailleurs, s'il vous plaît. Anti-char. Ça va être dur de tirer de là-bas. Ok. Repli. On n'est pas bien là. Là, on n'est pas bien du tout. On va tenter la sticky bomb, effectivement. Ah, ils vont reculer, ça recule, ça recule, ça recule, ça recule. Non, 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 arrêtez-vous. Et une grenade déjà. Allez, petite sticky bombe. Alors là après voilà. Ok. Ok, alors. Ça et ça, c'est fait. Mitraillette qui est là. Venir couvrir là. On va les mettre en plein milieu du chemin ici. Eux ils viennent là, ils vont là aussi, hop. Eux on les retrouve là-bas, eux là. Évidemment lui, ici. Tester, ouais, c'est quand même efficace. Ok, on se barre. On se barre. On est là. Pull in, squad. MG waiting on you. 57 needs orders. That zone looks good enough for us. Get to it. Crew ready for the go. Just came through on the radio.
entendu. Testez ça. Ça fait mal hein, les mortiers quand même. Hein. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calmez-vous. Ok, il y a encore du monde. On va balancer direct une petite grenade ici, voilà. Oh, ils ont eu la même idée que nous. Casse-toi. Et on va envoyer une autre infanterie en soutien, évidemment, on va pas les abandonner comme ça. Bon, je pense que j'aurais pu la finir plus vite cette mission, mais bon, c'est vrai qu'elle est plutôt sympa à faire en étape comme ça. Allez, terminé, on va prendre le point. Et let's go. Allez. Ok, bah voilà. Ça tire direct, hein. Oui, il y a une grosse portée quand même. Hein. Ok, alors les mortiers. Un ici. Et toi, tu me refais ça là, c'était très efficace. Ensuite, la première mitraillette, elle se met là. L'autre mitraillette se ramène là. Oh. C'est pas là-dedans, mais... Voilà, on met une petite grenade de pression en plus. Alors,
sharp, fellas. We're up. Now, you men, keep that formation tight. Come on. We ain't got all day. Get those guns ready. Orders just came in. Get those mortars ready for action. Confirmed. Moving to target. Awaiting further orders. Barrage complete. Ready, Rhodes. Orders just... Break it down. Make ready and move. Et donc, c'est pas une grosse portée, hein. Bah, eux, faut qu'ils leur mettent en vue, hein. That's the last of the defenses. That should make McKay happy. Bah voilà, je pense que c'est bon. All right, men, pay attention. Looks like we've stirred those crowds up, and they're bringing in forces for a counterattack. Need some recon, sir? We got somewhere to be. Alors qu'est-ce qu'ils appellent Back to the HQ. We'll hold them off there. Ok. Ah ouais. Eh ben ok. Carrément. Ça va pas me laisser beaucoup de temps pour me replier tout ça. Voilà, comme ça on va vite fait gérer ça parce que ça arrive à toute vitesse. Il va nous allumer. Alors juste hein, je reprends le temps d'analyser. Ok, eux ils restent planqués là, c'est leur problème. Je vais même ramener les troupes ici. Eux aussi, la mitraillette est là. On a les mortiers ici, mortiers là. Les autres troupes par là.
mettre par là, avec ça ici, et là-bas. Dépêche par contre. Voilà, c'est bon ça. Parfait. Nickel, avec les mortiers qui allument derrière, franchement, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ce char sans canon? Étrange. Ok, c'était bien bug, hein. Il y avait bien canon. Je pense que j'ai même pas le temps de la sticky bombe. Quoique. Bon bah alors. Ça se passe bien, hein. Bah moi je défends. Hein. Du coup, je vais le faire ça juste pour voir. On va partir en éclaireur avec le Weasel. Faut terminer ces troupes là ou il y en a d'autres qui arrivent du coup? Ok, bah s'il faut tuer tout ce monde là, ça peut se faire facile hein. Alors, déjà on va prendre lui, on va lui demander de tirer plutôt comme ça par là. Trop facile. Très bien, très bien, très bien. Toi, tu vas venir là, puis là, et tu m'allumes ça. Toi, tu m'allumes la zone qui est là. Avancer là. Et toi tu m'allumes dans la zone qui est là aussi. That's it. Crowds are falling back. All right, let's get some rest. The
Oh bah voilà, tranquille. C'est bien géré. Ok. Juste le temps de sauvegarder sur la map et je mets fin à cet épisode. Bon, je peux mettre fin maintenant tout de suite. Non, je vais attendre quand même de revenir sur la map parce que des fois il y a un petit dialogue et on se quittera là pour cet épisode qui a assez duré. Là. Impeccable. Meilleure la compétence capture des cibles dans les centres de partisans. Et par deux son effet à chaque tour. Ah ouais, on a bien avancé avec eux, plus vite qu'avec eux d'ailleurs. Ok. Bon, et eh bien s'il n'y a pas plus, je sauvegarde et je mets fin à l'épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye tout le monde.